Nous voulons prendre l'opinion à témoin. Ça, pour ceux qui parlent du tribalisme, que nous condamnons, voilà comment on fait. Voilà un gouverneur qui dit, ça lui n'a pas le droit de venir à Tikapa. Il ne peut pas ça faire. Il ne peut pas envoyer des gens pour créer les désordres. Vous avez vu la foule, il ne peut pas envoyer des gens. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation, la paix civile, nos beautés, Bande Koubalandia, Réaco News Télévision. Déjà, aujourd'hui, on va prendre le Bande Libanda, après Fayou, Lélo, Na. Chikapa, Wapifai, Oyo, Tola, Sabino, Bilili, Oto, Sakia, Mouipa, Mouamboka, Prince, Epenge, Brunibisa, Mouipene, Zalima, Kasi, Awa, Lengumba, Kinshasa, Kasi, la commune, Télévision, on travaille ici à Kinshasa et à Chikapa, Wapifai, Oyo, Mouamboka, Marte, Fayou, Azali, Kuna, Doroti, Kabino, Bolanda, Lolengeka, Nichikapa, et Minani, Nathan Wagedo. Allez ensemble avec nous, suivons. Voilà, c'est bon d'arriver. Bonjour. Bien, voilà. Bonne, ça va bien. Bien. Alexis, ça a été. Je vous en ai. C'est bon d'arriver. Là, la rencontre de Sikapa. Voilà. Vous avez l'échec du premier. Donc nous venons d'arriver, nous sommes à Tikapa, nous venons d'arriver, nous sommes maîtrisés encore à l'intérieur de l'avion. Merci beaucoup, Nafana Tikapa. Oh, ma belle, et tiens, tu sais que tu vas mourir en bas. Eh, mon talent, ça veut dire que tu vas donc être honoré. Bana Tikapa, ma belle. Bonjour, président, président. Merci beaucoup. Je veux honorer papa et tiens. Oui, mon talent, ça veut dire que tu vas mourir en bas. On va pas le bac qui tourne. On est là, on a payé la mission à Congo, on a appelé à Kingango, on a habité à Kumba, on est dans l'aéroport, là comme on a un président dans la quantité, donc la population a dit plein de banda, la population a dit très 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 plein de banda, dans la vie qui était votre monde à. On a sorti à président et lui matin Fayou. Après, Tikapa et Alimbo Canabiso, Madame Moutou, le Batou Baki, Fayou Boye, gouverneur, le Bimoti Motaya, Wavoye. Non, c'est notre terre, c'est notre pays. Toko, Bana, Tikapa, Baye et Bélé, Bélé, beaucoup de monde a vos monétés. Ah, vous êtes Tibou, tout le monde a fait passer. Il y a un problème, vous êtes Bana, notable, Bazali, c'est Malangaï. Tout ça pour ça, président de mon avion. Merci à Bana, Toko, Bana, Kisasa, beaucoup de gens qui ont un avion. Nous avons un avion. Donc, vous bangez le côté. Bana, ils allaient bien. Bana, ils allaient bien. Je vous remercie déjà par rapport à ça. Vous avez des sangs. Blesse au Pengue. Marabi, c'est lui le gardien du temple. Hier, moi, dans mon premier, dans mon Kondjamboka. Aïe, les pilotes, là, il y a des ballons.
Donc, ça, tu as joué la bola, c'est bien, on dégage les nids. Donc, le match est bien. Voilà. Nous sommes en train de prendre des solutions parce qu'il y a beaucoup de gens à la main. Et le président va commencer. Le ballon doit être au centre. Nous voulons que les élections de 2023 soient des élections où personne ne touchera, que les meilleurs gagnent. On n'a jamais commencé. Aujourd'hui, en 2023, vous allez accepter même la victoire de Félix Tshisekedi. Si le peuple les libre, si les élections sont transparentes, si la CENI mène les opérations conformément à la loi, et si toutes les parties prenantes sont d'accord sur les règles du jeu, si Félix se gagne, nous allons accepter. Mais la vérité des urnes, c'est la première personne à l'avoir cherché, c'était Tshisekedi wa Mulumba 2011. Pourquoi? Parce que les élections étaient frauduleuses. La deuxième personne à l'avoir cherché, c'est Martin Fayulu. Pourquoi? En 2018. Parce que les élections étaient frauduleuses. Voilà pourquoi Fayulu a demandé qu'on audite les fichiers. Malheureusement, Félix Tshisekedi, comme vous le savez, veut la fraude, veut tricher. Parce que sans la tricherie, Félix Tshisekedi ne peut pas gagner. Je viens de voir cette ville ici. J'ai mes frères qui habitent ici depuis des années. Je connais cette ville, c'est une ville mythique. Mais la ville n'existe pas. Rien que trois personnes qui ont la côté, ce monde dit quoi? Prince Pengue, Tshikapa n'existe même plus. Tshikapa va disparaître. Tous les enfants de Tshikapa ont immigré ailleurs, ils sont partis ailleurs. Il y a la pauvreté, il y a le chômage. Les enfants de Tshikapa n'ont pas de courant, n'ont pas d'eau, il n'y a absolument rien. Mais on remarque qu'il n'y a pas une forte mobilisation, il n'y a pas beaucoup de gens à l'aéroport pour accueillir le président Martin Fayulu Madjidji. Alors, ça, c'est une ironie ou quoi? C'est là que je vois des relations qui sont ah, vous voulez, l'angouillement. Vous voulez qu'ils entrent dans le tarmac? Vous voulez qu'ils entrent dans le tarmac? Mais dans le tarmac, on sélectionne les gens. Alors, attendons quand on sort là, vous voyez déjà, il y a des gens, c'est pas pourquoi vous le dites. Je veux que tu ailles filmer là-bas et que les gens voient parce que la télévision n'est pas la radio. Donc, je sais que, apparemment, c'est votre façon à vous de me défier, mais la population est déjà là massivement. Nous sommes sereins. Les maisons de la population qui est massée dehors déjà, ceux qui sont ici sont entrés parce qu'ils sont en train de terminer le nom. Donc, merci beaucoup. On va les aller journalistes, moi, pour la média. La tournée média, il n'a pas eu Koloba. Tu vas parler de la peuple, donc on devait parler. Merci beaucoup. La population est dehors massivement. Nous allons sortir ici avec le président élu. Et nous allons commencer la marche après. Merci beaucoup. Restons branchés. Oh, my God.
Thank you.
Vous avez vu la foule, il était temps d'envoyer des gens. Merci. La situation qui prévaut ici à Tikapa, on vient d'arriver à l'aéroport avec une foule immense. À peine que le président a quitté le tarmac, la foule était immense avec des chants de joie, des chants pacifiques. Et un poignet de gens envoyés par le gouverneur avec les quelques délits de presse. La police est là témoin. On vient d'isoler le président, regardez la foule là-bas. On a isolé le président de la foule pour le protéger. Cette voiture, ils disent que Fayoulou ne peut pas venir dans cette province selon l'ordre du gouverneur. Voilà. Et mais les enfants de Tikapa résistent. Ça, nous voulons dénoncer. Vous voyez, derrière moi, une foule encore. On a séparé les foules pour protéger le président des militants de l'île des. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Ça, c'est normal? Est-ce qu'on peut interdire Félix Tshisekedi d'aller à l'Équateur? On peut interdire Félix Tshisekedi d'aller au Katanga, au Bandundu, au Bas-Congo, la province orientale? Voilà ce qui vient se passer. Mais la population, elle, résiste. Voilà. La population. Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez les pierres là-bas. Ça, c'est l'île de Pesse. Les militaires, ils ont dit eux-mêmes que l'île de Pesse a donné l'ordre. Là, qui s'est monté à blesser. Massa Yaka. Oh, on n'a pas déjà blessé. Massa. Là, qui s'est aussi prendre à pied. Oh. Voilà. Là, qui s'est. Donc, il y a beaucoup de blessés parmi les militants de la Mouka de Tikapa ici, alors que la foule était immense. Bavo, bavo na bana Tikapa, bavo na bana Tikapa, bati na militaire, voilà, qui sont là. Parce que l'IDPS a dit Fayoulou, là, comment on a la foule à Waté, il va accueillir Fayoulou. Et voilà, voilà quand un gouverneur se permet de dire n'importe quoi, et il envoie au plus au moins 80 jeunes ou 100 jeunes pour envoyer. Avec des pierres, avec des machettes ici à Tikapa. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. La foule qui est venue accueillir le président. Notre foule est derrière. Là-bas. Donc, nous voulons prendre l'opinion à témoin. Ça, pour ceux qui parlent du tribalisme, que nous condamnons, voilà comment on fait. Voilà un gouverneur qui dit qu'il n'a pas le droit de venir à Tikapa et qui envoie des gens en plus. Avec des pierres, avec des machettes pour blesser les enfants de Tikapa. Ils sont venus, cette ville Ezaki, autrefois, ville et Malamu, ils sont les Alaki, ils ont mis ma banga partout. Ils ont mis ma banga. Attention. Ils ont mis ma banga. Donc, à venir Moulaï, fuyez. Laisse attention. Oui. Azoki Matas, policier, l'excès. Voilà, on a évacué un policier.
Membres de l'île de Perse ont blessé un policier à l'œil. Un policier évacué à l'hôpital. Voyez ? Attention. Voilà. Donc, parce qu'un gouverneur, la population est là. La population est là. Là, ma maman a posé faire une beauté. Voilà. Mon idée de Pesekuna. Mon Bango. Voilà. Là, c'est l'idée de Pes qui a décidé que Fahil va faire un baïté. Alors que Foule est immense. Immense. On a quoi un président de Martin Fayoulou. Voilà ce que l'idée de Pes a fait. C'est très grave. C'est très grave. Déjà, il y a une dizaine de blessés déjà à Wa. C'est extrêmement grave. Je pouvais tout imaginer. Mais pas que Félix Tshisekedi fait donner, parler avec le gouverneur pour empêcher Fayoulou d'arriver d'arriver. La population a salué le président Eli. La population a salué le président Kouna, mais n'ont pas l'occasion parce que. Voilà. Comme ils ont fait ce sanga, ils viennent de faire au président Ali Martin Fayoulou. Voilà, population. Voilà, on a pris un moment d'abandon, mais on les a privés l'occasion. C'est pas grave. Mais nous allons. Cette histoire doit aller devant la justice. Quand un gouverneur et un président de la République disent. Et que ça est Koufa, au bateau sur la province de Bomango. Et qu'ils disent que Moutimota tient ma corona, na Kananganam, na Chikapa. Voilà comment même les policiers sont blessés à cause des ordres d'un gouverneur. Voilà. Voilà. Nous sommes en train de dénoncer la guerre civile telle que donnée par M. Félix Tshisekedi. L'avons constaté et vécu ici, dans la province de Kassai. À Tshikapa, il y a des milices de jeunes organisées. La population était très accueillie. Le président Martin Fayoulou, pour nous caillasser. Et voilà comment c'est la population. Et une partie de la population déterminée, très vite. Vous pouvez le constater. Et il faut voir comment c'est le président Eli Martin. Vous pouvez le constater. Donc, il y a un aéroport sous le bateau Baillé. Mais le gouverneur, avec l'ordre de l'UDPS, ont planifié. C'est un attentat contre Fayoulou. C'est un attentat. Et ça, c'est pas normal. Nous avons dit que 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 nous avons dit Je suis un peu plus de temps. Voilà toute la foule qui est venue accueillir le président. Ah, vraiment. Voilà. Et là, qui t'attaque, cocaïne. La police, on va passer le bas. Et la normalité. Papa, où est-ce que tu as raconté? Ils ont pas parlé au Félix, il n'a pas gouverné, mais il n'a pas fait ça. Non. La population va avoir un bon état dans l'occasion aussi. Oh, comment c'est présenté? Voilà. La population va avoir un président. Voilà. Au moins, il m'a banga kuna. Il dépèse. Il m'a banga kuna. Terrible. Pardon, non, les gars, vous ne faites pas. Comment population est pour Yambamutu normalement? Comment pourquoi Tinda, un gouverneur pas envoyé, il ne peut pas envoyer ses militaires comme ça? Voilà.
Bon, une campagne électorale, et ça, Mandegani. Comment voulez-vous qu'il y ait élection dans ces conditions où les gouverneurs, les présidents publics et les autres mettent les gens dans la sécurité? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous allons continuer. Ouais, ma belle, tiens, tu sais que tu vas m'en bas. Ouais, ma belle. Oh, comme il est. D'accord. Le banan m'a mouqué. Quand on a tiré, on a dénoncé ma camélé qui a. Ah ça. Yo, Zali Congolais. Le banan a tiré, ma camélé qui a se prenne. Voilà. Merci à Banyuwa, mon président. Même moi, exacté. Comment gouverneur à côté de ça, ça c'est un jeune ou un bamba faillou ma banga. Alors que foule immense, et le bamba faillou, c'est pas normal. Non, les habits m'a la voiture. Les habits m'a la voiture. 21. Merci Banatikapa. Vous résistez. Merci beaucoup. Abima! Nous condamnons ce qui se passe ici. C'est pas normal. Congo est allé à l'Équateur. Ils allaient à Tanga, ils allaient dans Kibra, sur Kibra, Manyema, ils allaient jusqu'à Kanyos. Émission à Kisso, merci d'avoir abonné Nyos, Yariako News Télévision. Je vous aime, Pedro Koba, toujours Colina Bino. Ceux qui n'ont pas abonné, t'es sur Yariako, aux s'abonner, merci d'avoir partenaire Nyos. Yamaman Tatiana Bino, Bola Narabiso, Bolina Rabiso, de près et de loin, Boye Baketosa de cœur Nabino. Merci à Jojo Komingo, Michael Mikandek, Lelo Paposkar, Moutasungi Biso, vraiment Zambé, à Pambolayo. Merci également à la maman Emilie Nzemba, et à tous Pepele Ambetolo. Merci, na oncle Chant. Jessica Kolanda Bisso de Bundes, merci vraiment à la Congolaise, Bozalawa Nabaïque, Cécile Le Sang, la confiance du chef Serge Katembo, maman Tatiana, toujours dans la vérité. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur du tout. L'église et le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Allez, on se retrouve dans Mokolo Lobby, éducation politique pour acquitter. Allez, bye bye. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.